coup de pouce. Un coup de pouce, oh la bonne vieille blague. Pas lui qui a une clé. Holy fuck. Elle est où la fucking clé dont j'ai besoin les mecs? Là-bas y'a un truc là-bas. Une petite cabane de merde. Je sens que c'est là qu'il y a le père Mathias. Le père je sais plus comment il s'appelle. Père bidule chose. T'as pas une clé par là, bâtard? Ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde. Vite, tout droit, tout droit. Tout droit, motherfucker. Cours. Moi cette fucking porte. Avance, ferme derrière toi. Bravo. On va recharger notre pile. Alors sortir pour re-rentrer, c'est magnifique, c'est vachement utile, vous me direz. Filez-moi une pile, bande de bâtards. Alors par quel côté je commence en fait? D'accord, par celui-là. Regardez, en fait je suis sûr que si vous êtes en facile, vous pouvez prendre les piles qu'il y a dans les radiocassettes et tout ça. Mais moi j'en ai pas la possibilité. Holy fuck! Là, là, vas-y, grimpe. Ouh. Le fameux Wall Rider, tu crois? Ce truc là? Est-ce qu'on aurait un document dans un coin? Oh my god! Putain, on y voit que dalle dans ce jeu, c'est un truc de ouf. On se croirait dans Blair Witch là. Les mecs, on se croirait dans Blair Witch. D'accord, là c'est en mode saute partout mon gars. Ok, il y a plusieurs endroits où je peux aller en fait. J'espère que je me dirige vers le bon endroit. D'accord. J'aurais dû courir peut-être en même temps. Quelle mort magnifique. Le mec se fait poursuivre par des tonnes de gars. Oh non, j'aimerais taper le Wall Rider de merde. Le mec il se fait poursuivre par des tonnes de machins. Des mecs trop dangereux avec des bataclous. Le seul moyen qu'il a trouvé pour crever, c'est de tomber de 2 mètres de haut. Le mec il meurt en tombant de 2 mètres quoi. Mirror's Edge Horror DLC, c'est un peu ça en plus hein. Pour le coup. Ah voilà, si je cours c'est beaucoup plus simple, mais j'y pensais pas. Attendez, il y a un mec par là. Ah mais il a une pile en plus. Salut man, comment vas-tu? Cool, je recharge mes piles mec, c'est plutôt pas mal. Même si j'étais quasiment full, tout est bon à prendre. Croyez-moi. Je sais de quoi je parle. Alors ici on peut descendre, mais je sais pas si ça vaut le coup. Peut-être un document pour le coup. Ici. Même pas, y'a même pas un petit truc caché tranquillou. Ah, j'aurais cru qu'il y aurait peut-être un petit document ou quelque chose. Même pas en fait. D'accord.
Peut-être au cas où on se pète la gueule en fait. Bon, j'avoue que c'est un peu ridicule que le mec puisse pas prendre au moins une petite brique ou un truc pour leur pour les tabasser, mais bon. Alors là, comment je fais par contre pour descendre, pour monter là-bas? Ok, d'accord. Juste vérifier. Et une porte ici en fait. Faut pas grimper par là? Peut-être aller voir d'abord la porte en fait. Bonjour monsieur. Ah d'accord, fermé. What the fuck? Voilà. Bon, il est parti un peu loin quand même, le père bidule là. Oula, ça lag à mort. Holy fuck. Tout est fermé de cette petite maison de merde. Holy shit. Ils sont tous nus, regardez-moi ça, ils ont tout sa voile. Tout nu sous son impair. Eh, hey, il a un vieux moignon. Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais d'abord de l'autre côté? Bonjour monsieur. C'est fermé, d'accord. Ah, la musique, elle commence à partir en cacahuète. Pour le coup, là, ça fait vraiment bader les mecs. Hein. Pour le coup, cet endroit est assez horrible. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, du coup ? Une entrée sans doute dans ce bâtiment. Ah, par là peut-être. Ok, sauvegarde. En général, quand une sauvegarde, c'est que ça sent pas bon. Pas du tout, il faut que je me dirige. Oh non, il y a le gros lard. Putain, il y a le gros lard. Et là, je passe par où pour traverser? Putain de gros lard de l'autre côté. Ah, par là. Et où fucking gros lard, faut que je fasse tout le tour du truc. Faut être marcher là, c'est pas possible. Là. Il y a un truc à faire ici. Je sais pas quoi, mais il y a un truc à faire. Il y a rien du tout en fait. Il y a juste pour... Ah, peut-être là. Peut-être on peut traverser. Ou pas en fait. Je fais quoi là, putain? Traverser de l'autre côté en fait. D'accord. Ok, d'accord, je vais pouvoir traverser. Bon, je peux descendre là. Ah, vas-y, le mec il se tue à moitié quoi. Putain, on y capte rien ici. Qu'est-ce que c'est que cet endroit de ouf là? Faut que j'aille où, sa mère?
capte pas, faut que je me rende les mecs. Un truc à faire ici, mais... pas quoi. Ah, je vois, ok. Holy fuck! Elle est où la tombe, la petite tombe de merde? Fuck! Je suis bloqué! Dis-moi qu'il me trouve pas ici. Dis-moi qu'il me trouve pas, ce bâtard. Pète-lui la gueule, mais complètement. Le problème, c'est qu'on n'y voit rien. Oh putain! Par là. Ok. Ouf. Va te faire mettre, mec. C'est fermé, bordel. Encore. Trouver le père Martin dans l'aile des femmes. Il doit être là, sans doute. Nouvelle note. Bon Dieu, je crois que j'ai vu le Wall Rider. Ah bah oui, c'est ce qu'ils me disent. Ça doit être ce truc. Il y a tellement de sang dans l'eau qu'on peut le sentir. C'est comme quand on se mettait une pièce rouge dans la bouche, étant gamin. Les murmures commencent à prendre du sens. Je suis à l'affût des parasites, c'est comme une fixette. Alors tout ça c'est bien. Quand même juste faire un tour du lieu pour la rigolade, même si ça ne m'apporte rien du tout, je pense. À mon avis, non, si je vais trop loin, de toute façon, je verrai rien du tout, donc... on va se rendre à l'intérieur du bâtiment. Ok, je suis retourné ici. T'es où, mec, t'es en haut? But not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Rejoignez le père Martin par les niveaux supérieurs. Putain, mais en fait, il faut que je rejoigne le père Martin dans tous les sens. Voilà. Ça j'aime pas. Pourquoi il y a des trucs comme ça? Il y a un mec qui va me poursuivre là. Oh oui, une pile, ça c'est cool par contre. Il y a des trucs à faire par là, est-ce qu'il y aurait une pile chez un autre mec? Allez, bon, j'ai pas le choix de toute façon. Allez, go. Y'a le gros qui va me retrouver de l'autre côté encore. Le gros, c'est un peu le Némésis en fait. Hein. C'est un peu comme Némésis dans Resident Evil 3 quoi. Puis il est là quelque part, hein, il m'attend ce bâtard. Hein. Mais oui, il est juste de l'autre côté quoi. J'ai un truc à faire par là, tiens. Je sais absolument pas où je suis en train d'aller, mes amis. Hein.
Genre je vais tomber sur lui nez à nez à un moment donné. Les escaliers de secours. Fucking les escaliers de secours. Les chiottes. Il va y avoir de batterie hein, de ces moments donnés. Vas-y, dis-moi que c'est ouvert, bâtard! Putain, c'est la merde. Pas par où je dois aller, quoi. Puis cette musique qui me fout les boules, laisse tomber. What the fuck? Les trucs où je peux me cacher un peu partout ici. Ah oui, une pile. Merci. Dieu merci. Je sais pas où il est le gros perso. Je sais pas du tout où je vais. Je sais pas si je vais au bon endroit. Mais j'y vais. À mon avis, c'est le bon endroit. Si je peux monter un dossier par là, par contre, c'est cool. Qu'est-ce qu'il dit ce dossier ? Wallrider et cauchemar. Brève introduction à la mythologie du Wallrider à destination des personnels de soutien de MRD Murkoff Corp. Ceci n'a qu'un but de soutien à notation, n'ayez aucun contact direct avec les patients pendant ou après la thérapie. Le Wallrider est également connu sous les noms de Alp, Mara ou Schrat. C'est une créature démoniaque d'origine allemande. D'origine allemande, tourmentant les humains pendant leur sommeil. Il s'accourbit sur la poitrine d'une personne endormie et lui coupe le souffle. Le dormeur se réveille terrifié au bord de l'Asvixi. Le nom Mara est à l'origine du mot gauchemar. Le démon pratique rarement les abus sexuels. Mais il lui arrive de boire le lait des femmes et de sucer jusqu'au sang les tétons des hommes. Oh, oh my god. C'est trop sale les mecs. Imaginez-vous. C'est comme le hentai avec garde-voir quoi, c'est pareil. Oh my god. Il vous suce les tétons jusqu'au sang les mecs, imaginez-vous. Oh là 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 là, c'est hard. Comment je grimpe là? Je peux grimper là-haut? Non, je peux pas. Putain, si seulement je savais où il faut que j'aille, quoi. Je sais pas si je me dirige vers le bon endroit en fait. Ah tiens, j'ai une nouvelle note, j'avais même pas fait gaffe. Le bruit dans la machine. Le bruit dans la machine comme celui dans ma tête quand le Wallrider est apparu. Quand je ferme les yeux, je vois des parasites autre chose. Quelque chose de noir et de gras descend derrière mes paupières. Ça me regarde avec des organes que j'arrive pas à imaginer. Mais le bruit vient aussi de la machine. De l'intérieur des murs, je connais ce son. What the fuck? Alors du coup, il y a des trucs que je comprends pas trop, là. Est-ce que je suis au bon endroit ou est-ce que je suis pas au bon endroit? Est-ce que quelqu'un pourrait juste me donner des précisions par rapport à ça, s'il vous plaît? Parce que là, il y a les escaliers. Putain, il y a les putains d'escaliers de secours, les mecs. Mais, putain, j'ai plus de piles, quoi. Il me reste ma dernière pile. Je peux pas aller ici. Les escaliers de secours sont pas prenables. Faut que tu montes à l'étage. Ouais, mais je peux pas monter à l'étage. C'est fermé ici.
trouver un moyen de faire le tour. Peut-être en passant par là, apparemment. Je suis pas encore passé par ici. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, je dois pouvoir monter par là. Je sais pas ce que c'est que cette salle de psychopathe. Eh, mais je suis retourné vers près de l'entrée. Ah non. Ça mène dehors, mais de toute façon, c'est fermé. Ça s'est clair et net. De toute façon, mon perso, c'est tellement un psychopathe. Attendez, il y a peut-être un truc par là-bas, en bas. Je sais pas pourquoi j'y vais, mais j'y vais. C'est la fête. Je suis un ouf. Projet Paperclip. Projet Paperclip. Document de l'agence. D'objectif de renseignement interarmé. Ordonnance de révélation des crimes de guerre des nazis. Ah, la première... Le premier paperclip permet de s'adjoindre des services de spécialistes étrangers en vue d'affections spécifiques dans les branches techniques des forces terrestres, navales et aériennes. B. Le projet 63 est essentiellement un programme de déni représentant de nombreux avantages. L'objectif est d'assurer l'emploi aux États-Unis d'un certain nombre de spécialistes allemands et autrichiens de renom en privant cette possibilité des ennemis potentiels. Bref. 1, 2, 3, courez. Pourquoi il marque ça, t'sais ? Je regarde des lives de musique, t'étais saint d'esprit, la joke. C'est vrai, c'est vrai. Alors, via la fenêtre. Oh non, cette zone. Ah, y'en a qui savent qu'il va y avoir un truc horrible. Je vois cache-cache le mec, sans arme avec des psychopathes au couteau, là. Faut être attardé pour continuer à pourchasser un prêtre fou, non armé et non protégé, j'avoue. Moi, je me serais juste fait chier à essayer de retirer les plaques en bois et péter des vitres pour sortir, mais bon, même si les portes sont fermées. Oh, cette musique de psychopathe, les mecs, laisse tomber, quoi. Musique de psychopathe! Ah, tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une petite flèche de sang. Bien sympathique. En fait, il y a deux mecs, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je vais bientôt plus avoir de piles, par contre. Ça me stresse un petit peu. Tiens, mais dites-moi qu'il y a des piles quelque part. Ah, là, il y en a une. Holy shit, yes. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore? Vous pouvez traverser depuis l'autre côté, mais oui. Mais bien sûr. C'est la fête. Cet endroit, non, mais c'est pire. La chute à linge nécessite 3 fusibles. 3 ! 3 ! Oh yes, putain. Trois fucking fusibles, les mecs. Drive in the nails. Un truc à voir avec des ongles. Pas trop compris. What the shit. J'aime pas cet endroit. Je n'aime pas cet endroit. Vous savez ce qu'on va faire? On va direct fermer ça. Peut-être que c'est une mauvaise idée, hein. Peut-être que c'est une mauvaise idée, mais je ne fais pas confiance à ce qu'il pourrait rentrer de l'autre côté. Le mec est en train de brûler sur sa croix, quoi, laisse tomber. Euh,
Ça sert à quoi d'avoir ça en fait? Rien du tout. Dites-moi qu'il y a rien derrière cette porte. Au cas où je suis obligé de revenir en arrière d'un coup, quoi, sans doute. Forcément, ils vont me faire le coup. J'avais même pas fait gaffe, il y a une clé ici. Ah d'accord, il faut que je récupère les fusibles d'abord. Un des fusibles est... Ok, j'ai compris, c'est bon, merci. Va te faire mad, mec. Tu peux attraper ma porte. Dégage de là, mec. Putain. Bien. Est-ce qu'il est loin? Il est parti loin. Ma porte, elle en a pris un coup. Hein. Ok. Il a dû disparaître, hein, bien très sans doute. Enfin, très certainement plutôt. Très sans doute, ça ne se dit pas. Il y a une des portes qui a été ouverte. Fuck you, putain. Un jour il va la péter cette fucking porte. Je me suis chié dessus. Oh il fuck. Bon je vais d'abord tenter par l'autre côté en fait. Non mais quand je dis va la péter la porte, c'est que s'il se met à taper une fois ou deux avant que j'ai le temps de mettre le truc, au fur et à mesure il pète la porte. Donc à un moment donné, même si je pète le machin, il pourra venir nous faire chier. Par contre j'ai plus de piles, c'est par contre ça craint beaucoup. Je pense qu'on va passer de l'autre côté d'abord avant d'ouvrir cette fucking porte. À moins que ce soit par là que je suis arrivé, je sais même plus. Je suis arrivé par là en fait. Hein. Il semble. Donc du coup, je suis obligé de passer par là. Ah, mais il y a des trucs pour se cacher ici. Hein. D'accord. Mais putain! Thank you.
T'es sérieux? Putain de merde. Je peux y aller à l'arrache? Ouais, je sais pas. Peut-être tu peux y aller à l'arrache, mais franchement... J'hésite sincèrement à le faire. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est que j'ai plus de... De piles. J'ai plus de piles. Ça, par contre, ça craint. Ouais, il est plus là du coup. Il va sans doute être pas très loin. Who's there? Y'a personne, mec, y'a personne. Vas-y, dégage de là. Merci. Casse-toi, putain. Non. Vas-y. Mais non. Si, j'ai vu que c'était retourné, mais je voulais pas qu'il me capte au début. Vu qu'il a l'air un peu con, on sait jamais. Hein. Ok, le motherfucker est parti. Vas-y, mais va te faire mettre, enculé. Il l'a appelé en fait. Putain, j'ai plus de batterie, les mecs. J'ai plus de batterie, les mecs. On est dans la merde. On est grave dans la merde. Je sais pas où il est, il doit être encore dans la pièce quelque part. Je l'entends encore. Hein. Est-ce que je tente le coup de sortir ou pas? Et les si, non, y'a personne du tout. Moi j'entends juste des bruits bizarres, mais je sais pas si c'est lui. Bon, allez, go. Qui ce mec là? What the fuck? Dites-moi juste, par pitié, dites-moi juste qu'il y a une pile quelque part, les mecs. Là, là, oui. Oui, oui, alléluia, Jesus Christ. Mes frères. Alors j'espère que le type est pas là.
Sinon je me chie dans le froc les mecs, c'est décidé. Une pile, oh yes. Ça par contre ça me remet dans le bien. Oh là là, fais chier. Il y a des mecs partout ici, c'est pas possible. Holy fuck. Il est là, on va se cacher derrière, on va attendre qu'il arrive. On va aller tout à l'autre bout. Il est parti, cet enfoiré. Putain, mais pourquoi il est là, quoi? Pourquoi il est dans l'endroit où je dois aller maintenant? Je vois que je suis bien caché. Vas-y, dégage là, bâtard. J'ai mon troisième fusible, bordel. J'ai mon fucking troisième fusible. Faut pas que je crève maintenant parce que sinon je suis dégoûté. On va recharger tout de suite la pile parce que j'ai pas envie de me faire niquer. Nique ta mère Albert. Ça putain, vite la clé. Comment je fais pour descendre? Derrière la porte. Retournons par les escaliers, mais ils sont de quel côté? Vers le truc du début? Faut que je revienne complètement sur mes pas là, c'est ça? Ok les amis, ok. Donc là je prends en face, c'est ça? Par là. En espérant que ce soit le bon endroit. Ah d'accord, je vois. Bon, y'en a à avoir compris.
Holy fuck. J'aime pas ce qui va m'arriver là en bas. Voyant tomber où le fameux cadavre machin bidule truc là. Là que je dois aller? Ah, une pile. Cool. Pas là? C'est pas du tout ça. Peut-être vers la salle du milieu, tout simplement. Peut-être pas dû descendre de 2 étages. Attendez. Je vais déjà vérifier si j'ai pas des nouvelles notes. Non. Rejoignez le père Martin par les niveaux supérieurs. Remonte au centre. Et après ? Tiens, il y a une pile ici. Pas retourner ici, là il y avait le gros et tout. Ah, ça va tomber dans la salle à linge, voilà, c'est là, d'accord. Ok, ok, j'ai compris. Je comprends mieux maintenant. Par contre, ça pue la merde, maintenant je comprends mieux pourquoi il y a des trucs. Pour me cacher pas loin, non? Elle me sert à quoi d'ailleurs cette clé? C'est la clé de quoi? Je fais quoi avec cette clé? Merde. Et merde. Fail. Faut que j'ouvre quelle porte avec cette clé en fait? C'est pas du tout quelle porte il faut que j'ouvre avec cette clé. La porte d'entrée? Faut que je remonte, faut que je fasse quoi avec ça? Sans doute que je remonte vu qu'ils m'ont fait ouvrir le truc exprès. Je sais pas à quoi elle sert cette clé. Ah, à monter plus haut peut-être. Ah, ok. On va fermer ça derrière nous, hein, tant qu'à faire. Ok. Bien. Bien joué. Mais putain, c'est pas possible. Peut-être qu'il faut que je me colle contre la paroi ou un truc. Non, je pense même pas. Faut peut-être juste le faire trop tôt. Voilà, c'était ça. Suivez les traces de sang. Une pile. Donc déjà, on va recharger ça, mes petits amis. Hop. Et on va récupérer la pile. Première étape. Je crois que je vais faire une pause pipi. Commencer à me connaître maintenant. Oh là là, bien sûr j'ai suivi les traces de sang, mais oui, c'est ça. Mais complètement. Pour qui est-ce qu'ils m'ont pris?
Mais y'a rien de spécial, de toute façon je vais être obligé de descendre. On va se faire une petite pause. Pipi, voilà. Ça ne vous dérange point. Je reviens. Heureux. Bon, n'empêche, j'ai un truc à dire. Heureusement, vous êtes une trentaine avec moi ce soir pour suivre ce truc. D'ailleurs, faut que je regarde l'heure qu'il est parce qu'il doit pas être loin de 3h du mat. Ah non, il est que 1h23. Ça va, on a bien avancé du coup, alors c'est plutôt cool. Donc profitons d'une petite pause. Hein. je vais me prendre des petits carreaux de chocolat, vous voyez. Petite carreau de chocolat nécessaire. Carreau de chocolat, chocolat à noix de coco. J'ai pas fini. Non, fini nous dit. Ouais, on a déjà fait peut-être les deux tiers quand même. Donc, merci d'être là ce soir parce que sans vous, je crois que je me serais chier dans le froc et j'aurais jamais terminé ce jeu quoi. Il est beaucoup trop malsain. Pas qu'il fout les boules, mais c'est qu'il est vraiment malsain, tu vois. C'est vraiment gore. Il y a des trucs vraiment trop hardcore dedans. Il est beaucoup trop bizarre ce jeu. Peuplé de chauves. Le chauve difforme et moche. Enfin, je vous dis, si on était en train de jouer à Silent Hill, ce serait pas mieux, hein. Silent Hill 2, c'est aussi assez glauque. Hein. Un Slender à la fin, mais non, mais Slender ça pue, Slender ça me ferait même pas peur. Hein. Le truc qui me trouverait, j'en aurais rien à foutre quoi, mais. Mais ce jeu est vraiment glauque. Forbidden Siren, ouais, je crois que c'est un truc assez hardcore aussi japonais. Bon. Maintenant que j'ai mangé mes petits carreaux de chocolat, on va pouvoir reprendre. Faut quand même qu'on se réserve des pauses pour la santé mentale parce que ce jeu, quand même.
Et juste une horreur infinie, quoi. Déjà, je sais qu'il y a des trucs pas commodes qui m'attendent là en bas. Quoi? Il n'y en a pas un qui était parti dans ce sens-là tout à l'heure? Non, foutez-vous de ma gueule, pourquoi je dois retourner ici? Oh, me dites pas que je me suis planté en fait. Oh, j'ai fait de la merde. Je me suis chié. Lâche-moi, enculé. Putain, j'ai fermé la porte sur moi, mais quel con. Lâche-moi, je sais que tu vas me tuer, c'est bon. Vas-y, tue-moi, allez, si tu veux. Ça sera peut-être moins long de faire comme ça, d'ailleurs. Si ça m'a sauvegardé la partie quand j'ai sauté, voilà. Ça sera peut-être moins long, du coup. Peut-être mieux ainsi. Ah, du coup, mon stock de pile est complet maintenant que je suis mort. Ça vous recharge la pile au complet, par contre, quand vous crevez. C'est un peu con-con, d'ailleurs, je trouve. À mon avis, il faut que je me colle contre la paroi, ici. Et que je saute après, voilà, c'est ça, en fait. Donc, Ok. Bon, un petit fail de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Me direz-vous. Ah, ça pue la salle où il va y avoir un mec qui va me venir me chase. Oh putain. Le Wall Rider, tiens. Comme par hasard. Par contre, je m'y serais vraiment pas attendu à celle-là. Hein. Le coup du plafond qui me pète à la gueule, là. Maintenant, je regrimpe comment, en fait? Il y a moyen de remonter par directement là? Comment je fais là pour sortir? Ah! Je vois. Je vois. Il n'y a même pas un mec qui m'a attendu à la sortie, quoi. Bon, cool, c'est bien, j'ai traversé la pièce et maintenant je fais quoi? C'est d'accord, c'était par là-bas. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bon, vu que j'ai eu un truc où je me suis fait chase pendant 10 ans tout à l'heure, j'espère qu'ils vont pas me remettre un truc pourri comme ça, tout de suite. Culé, il m'a fait peur. J'ai pas vraiment sursauté, mais je peux vous dire que mon cœur, il l'a senti. Hein. Alors, y a pas de pile par là, malheureusement. C'est un peu fait troll. Je pense que tout me dirige vers ce coin. Juste voir s'il n'y a pas des petits trucs cachés, vous voyez, des petits dossiers, des machins. Mensonges, là et tout ça. D'accord, une petite note. Mensonges. Je reconnais l'écriture, le père Martin a tué un homme ici. Est-ce que les mensonges dont il parle, ce serait le dossier qui ont disparu de toutes ces boîtes? Les faits, les archives? On dirait des documents d'une agence officielle. Ils ont l'air d'avoir au moins 30 ans, probablement plus. Je commence à réfléchir à ces histoires de MKUltra et de CIA. De contrôle mental, le bourdonnement est permanent. D'accord, je vois pas trop de quoi il veut parler, mais... Certes.
Alors dans les jeux d'horreur, ils sont vachement fans du truc de voir votre vision par l'intermédiaire d'une caméra en général. Non, non, juste non. Les mecs, sérieux. C'est quoi ça? Ils vont péter la porte. Oh putain, ils sont là vraiment. Ils sont deux, il y en a un qui va prendre chaque... Il y en a chacun un qui va prendre un côté ou quoi? Culé, dégage. J'ai plus de lumière. Putain, mais je me fais one shot. Ok. Ils sont partis tous les deux dans un sens différent. Ok, certes. Faut que j'arrive à les faire partir tous les deux du même côté que moi. Ah mais c'est bouché par là. Hop. Faut que je trouve le seul endroit safe entre les deux endroits. En fait. Je voulais me cacher là-dedans en attendant qu'il me... en espérant qu'il me voit pas. Il a déjà traversé jusqu'ici ou pas? Vrai que oui. Voilà. Alors juste avant, avant toute chose, je pense qu'ils vont revenir. D'accord, c'est fermé à clé, ok. J'ai compris. On va se barrer, mes petits amis. Mais bien sûr, putain, mais bien sûr. Allez, c'est la fête. Je vais me faire chier à tout remonter maintenant. Alors, je peux juste passer par là. Attendez, on va peut-être voir, il y a peut-être des trucs cachés dans le coin. Fermé. Sans doute fermé. Fermons au cas où. Voilà, ça y est. Bien. Tu vois, c'est qui j'entends parler là? Allez, je mange mon chocolat pendant que je me fais traquer par des nudistes. Effectivement. Rien de mieux pour ce... là, par contre, je sais pas si je vais réussir à traverser correctement. Ça va être en mode Indiana Jones, les mecs. Oh, fuck. Non, la caméra, non. Ah, c'est con, ça. Non, 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 non. Allez rechercher la caméra, mon dieu. Bah oui, il va falloir aller rechercher la caméra. On n'y voit rien, putain. Ils sont sérieux, là? J'ai besoin de mon caméscope. Non, mais non, non. La tragédie. La tragédie, quoi, les mecs. Non, c'est pas possible. Non, je vais pas y aller. Il me parle des nudistes et en plus je peux même pas descendre comme j'ai envie là.
Holy shit. C'est donc ça les fameux nudistes, les deux nudistes à couteau là qui allaient me poursuivre tout le long de je ne sais quel endroit. Fuck. Ma caméra, s'il vous plaît, elle est où ma caméra? Heureusement, on y voit légèrement quand même. Moi, qu'elle est tombée là en plein milieu. D'accord, elle doit être en bas. Enfin, j'ai pas regardé s'il y avait. Il y avait quand même un dossier ou des trucs cachés dans les chiottes. Sait-on jamais. Il semblerait que non. Ramasse la savonnette qu'on en finisse. Je vais éviter. Je suis pas trop partisan de ce genre de pratique sexuelle, vois-tu. Même si me faire sucer les tétons jusqu'au sang par le... Par le bidule machin chouette fantôme là, ça me déplairait pas. Bah oui! Allez! Allons-y, c'est la fête! C'est vraiment des gros bâtards. Dégage de là, toi, putain! Y'a un mec par là-bas. Y'a mon caméscope en face, j'ai l'impression. Non, c'est des bouteilles d'eau. Qui t'es, toi? Oh, t'es beau! Oh, tu es joli! Il est où mon fucking caméscope, bordel de merde? C'est quoi, toi? Il y a des mecs qui sont en train de traverser autour. Ah non, il est devant! Il est devant la fenêtre, putain, je croyais qu'il était de l'autre côté. C'était badant, les mecs. Vas-y, je le sens trop pas, il y a des trucs cachés derrière les portes et tout. Heureusement qu'on n'a pas besoin de se cacher, que c'est juste un petit passage tranquille et qu'on a besoin de courir à travers les divers endroits. Ah, mon caméscope, parfait. Pourquoi je peux pas le récupérer là? Récupère-le, bordel de merde, mon caméscope! Oh, Jean-Michel, là! Fais pas le con, Jean-Michel! Jean-Michel, tends les bras, il est juste devant toi, regarde. Non, mais là, il craint, là. Mais putain, mais prends-le, bordel de... Ah mais Jean-Michel il va pas bien là. Fais le tour. Pourquoi je devrais faire le tour? Il est juste devant moi. Y'a rien derrière, on peut pas faire le tour. Ça m'étonnerait qu'il faille faire le tour. Ça m'étonnerait fortement. À droite tu contournes le meuble. Je sais pas, j'y vois rien moi. J'ai même pas vu qu'on pouvait contourner le meuble. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, vous êtes peut-être un peu trop noir du coup. Bon là par contre ça craint parce que c'est le retour. Oh, il est pété. Holy fuck. C'est le retour des emmerdes forcément. Le caméscope qui part en cacahuète. Je sais pas du tout où je vais. Putain. Aïe. Dégagez de là, bordel. Monte sur les casiers. Je pouvais monter sur les casiers. Are you serious? It's time for some chocolate.
Je revis. Ah oui, effectivement. J'avais oublié qu'on pouvait refaire le tour par ce côté-là. Donc c'est par là qu'on est arrivé. Putain, le caméscope, il est pété maintenant. Génial. Bravo. Bravo, bravo. Attendez, comment je reviens, là? En arrière. Pourquoi il y a ça devant la porte? Ah ok, c'est par là. Je vous donne faim. Pour une fois que c'est moi qui vous donne faim. Voilà, par contre ça craint les gros mecs là dégueu, non? Voilà les gros mecs à la con. Les Scissorman. Non mais bon monsieur, tout ça c'est bien, hein? Ça c'est bien, mais j'aimerais savoir comment remonter là. Je me souviens plus. Il n'y a aucun trou par là. Ah mais le caméscope il part vraiment en cacahuète maintenant. Pas par là du tout en fait. La petite porte qui est là, ok. Comment je traverse? Voilà. Voilà. Là maintenant il faudrait retraverser, il faudrait remonter ici. Ok. Bon bah on a fait notre détour, c'est cool. Faut trouver le père Martin. Mais il change toujours d'endroit le père Martin, il fait un peu chien. Hein. Père Martin, il faudrait commencer à arrêter de me trimballer partout là, monsieur Père Martin. D'accord, on a fait tout le tour en arrivant de là pour venir ici quoi. GG quoi. Oh fuck. Attendez, là ça pue les trucs cachés ici. Je vais aller faire un tour. Pardon, je peux pas faire ça. Je voulais traverser comme ça. Merde, j'ai rechargé. Non, c'est bon. Tout va bien. On peut pas y aller, en fait. D'accord, très bien. Soit, soit. Si vous le dites, je m'accommoderai de votre... Alors là, par contre, en mode Indiana Jones, YOLO, quoi. YOLO! Voilà, ça passe. Ah, donc, il y a un pote par là. J'ai réussi mon saut du premier coup. Attention. Only one way out. Only one way. Ouais, c'est cool. Putain, mec, t'es vraiment trop beau, quoi. Regarde-moi ça. Franchement, je kiffe, hein. Ton œil, ton mono-œil, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un peu cyclope et tout, c'est plutôt stylé. On va économiser de la pile. Oula, ça c'est un peu bugué. C'est quoi ce bruit? Moi qui ai encore le gros qui est là. Bon, c'est con qu'on le revoit le père machin là, parce qu'il commence à me saouler un peu. Hein. Il y a des trucs qui vont atterrir de par les fenêtres, tout ça. C'est bon, j'ai compris. Hein. La chapelle. Ah, il va peut-être m'emmener à la chapelle en fait. Fuck. Alors je suis retourné vers le début apparemment, j'ai l'impression. Un petit peu vers l'entrée, tout ça. Je pense que je vais me faire légèrement courser. À mon avis. Je pense, hein, simplement. Hein.
Non, c'est un truc qui va m'arriver sur la gueule dans pas longtemps. Voilà, j'en étais sûr. Go tracé là. Putain, mais dégage. Oh, bravo, bravo, bravo. Putain. Le problème des portes, c'est que c'est trop dur à se retourner dessus. Pourquoi je filme tout le temps? Parce que si je filme, je récupère des notes, tout simplement. Ça, on s'en fout de laisser la caméra en mode normal, de toute façon. C'est plus rapide pour passer en mode nocturne ou quoi, des fois, je trouve, que le clic gauche. Bah oui, mec, mais oui. Complètement. Voilà, enfin, putain de bordel. Alors je sais pas du tout où je suis en train d'aller ni ce que je fais, hein. On va sans doute venir ouvrir la porte des chiottes, effectivement. Et il me voit pas. Juste en face, ce gros lard de merde. Je sais pas où il est. Pas envie de savoir, ça se trouve, il est resté à côté. Fuck! Ce passage est juste horrible. Vous pouvez trop pas y échapper au type, quoi. Vous pouvez essayer de vous cacher ici. Peut-être marcher, tiens. Je pense que ça peut marcher, honnêtement. Bah oui, viens là, comme par hasard. Ah, il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Ah, il me voit, il me voit, il me voit. Sérieux? What the fuck? J'aurais dû peut-être monter sur les trucs, je sais pas. Ah, c'est très bizarre, hein, c'est... Le problème, c'est qu'il OS ce merdier, là. Je peux pas grimper là-dessus pour éviter de me faire capter, en fait. Je peux pas grimper, carrément. Je peux pas, hein. Putain, fais chier, quoi. Mais putain, mais ferme la porte, bordel de merde! C'est incroyable, ça. Trois fois déjà, coup des portes de merde. C'est impossible de se retourner et fermer la porte correctement. Ou alors c'est que vous vous retenez pas et que vous fermez la porte devant vous, c'est complètement con. Vas-y, pète une porte là-bas, que je puisse me casser rapidos. Pas moyen de se cacher quelque part dans la cheminée ou je sais pas, moi. Voilà, comme ça. Holy fuck. Espérons que ça marche, ça. J'aimerais bien que ça marche. Ce serait cool. J'ai pas vu ce bâtard. Mais si! Mais n'importe quoi. C'est un peu, en gros, celui qui a le plus de skill dans l'ouverture de porte, hein. J'avoue. Il est abusé, ce passage.
tellement vite, sans culer. Mais putain, voilà, enfin. Mauvaise porte, mauvaise porte. Ou pas, ou pas. Ou pas mauvaise porte, oh putain. Putain de sarum. Ouf. Hardcore jusqu'à la mort, mec. On va devoir le pousser. On revient vers l'entrée, les mecs. On est juste de l'autre côté, en fait. Il y a un truc qui m'intrigue, juste. C'est que là-bas, il y avait un truc qu'on pouvait aller de l'autre côté. Je suis curieux de savoir pourquoi. Comment. Ça, c'est quoi, ça? C'est un autre endroit par lequel on peut arriver à la suite. Peut-être deux options. S'échapper. Ah, il y a un dossier par ici, d'accord. Les rêves de Billy. Salut Cindy, j'ai eu une autre conversation intéressante avec Billy ce matin. Il m'a dit qu'il avait de nouveau parlé de sa thérapie au docteur Wernick, dans l'endroit blanc. Je m'inquiète un peu de l'aggravation de ses délires malgré les médicaments. Ce qu'aucun article sur la benzodiazépine ne fonctionne. Quoi qu'il en soit, son ami, le docteur mort, continue à lui remplir le crâne de folklore germanique. Apparemment, la seule chose capable de tuer le Wallrider, ce sont des papillons vampiriques vomis par un démon appelé Horerzi. What the fuck? Ces papillons suceraient le souffle des gens et boiraient du sang de leurs tétons. Ils pourraient aussi prendre la forme de cochons émaciés ou de chiens malades. Voilà ce qui se passe dans la tête de Billy. Tu m'as dit que Billy avait parlé un jour des tatouages de sa mère. Tu sais si elle en avait en forme de... Tu sais si elle en avait en forme de papillon? La prochaine fois que je pourrai franchir le pare-feu de Murkoff, j'irai voir en ligne s'il y a des traces de ces machins allemands ou si Billy a inventé tout ça. J'aimerais bien qu'on compare vos notes... nos notes un de ces jours. Devant un verre de vin, par exemple. On se sent seul ici, à 2h du mat. Ah, putain. Je n'aurais pas resté enfermé dans cet asile de fou à 2h du mat, perso. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Bon, de toute façon, elle est fermée, je me doute bien. Allez, par là-bas. Un peu la lumière, ça fait du bien. Il n'empêche, ce gros, c'est vraiment le Némésis, hein, comme dans Resident Evil 3, hein, c'est un truc de fou. Hein. En tout cas, merci de rester toujours autant pour cette épopée, ça fait vraiment plaisir. Ah tiens, ça me rappelle le début et... On était déjà ici. On est juste arrivé par l'autre côté, en fait, ou un truc du style. Behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Guys! Children! I need your help! Je vais dans le théâtre. Yes, coming! I'm coming! I'm coming! I'm coming, I'm coming! Il y en a un qui est en train de faire des expériences de ouf en haut. Et là en bas, il se passe quoi là? Mec, j'ai pas envie de savoir ce que c'est tout ce truc là. Attendez, on va déjà aller voir là-dedans. Hmm? Un dossier déjà. La brèche spirituelle. Reichsleiter Lohner, Dr. Meddrog. J'ai de nouvelles urgentes concernant les travaux au cours de Dr. Rudolf Wernick. À propos du moteur morphogénique qu'il développe à partir des théories issues de ses brèves et malheureuses relations avec A. Turing.
Si je n'y avais pas assisté en personne, je n'aurais jamais cru au récit de ce qui s'est passé, mais au-delà des promesses en matière de régénération cellulaire et de cancérogénération guidée, je pense que la méthode du docteur Fernick a trouvé une brèche vers le domaine spirituel. Quelque chose l'a franchi depuis l'autre côté. J'ai personnellement assisté à une apparition brève, certes, mais irréfutable. Veuillez transmettre à Dietrich Eckart mon message et mon invitation à prendre part à d'autres expérimentations. On se croirait dans Beyond Two Souls, là. Ils ont ouvert une brèche vers les âmes et tout, et le Wallrider est sorti, quoi. Je pense d'ailleurs qu'il conviendrait de mettre le Führer en personne au courant de nos découvertes. Quoi, savoir avec... What the fuck? Avec Hitler et tout. Je crois que le succès du docteur Wernick représente une excellente opportunité pour notre cause et pour le peuple allemand tout entier, et constitue manifestement des raisons de le tenir à l'écart de tout programme d'élimination. Salutations à votre famille. Et on peut pas savoir qui c'est qui a signé. Le film lui-même fait 13 épisodes. C'était en 38, certes, mais... Alors là, par contre, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je tente de passer par en bas? Ici, on peut pas y aller, déjà. Ça, c'est sûr. Il faut qu'on retrouve la clé, en fait. Par là, on a sans doute quelque chose à faire. Il y a sans doute le théâtre. Je ne sais quoi. Salle de billard glauque. What the fuck is that? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je sais pas si je devrais aller par là en fait. Bon, d'accord, ok. C'est une salle pour se cacher déjà, ça. Bon, la musique est sympa, hein, c'est cool, mais bon. Attendez, y'a un truc par là. Grimper ici. Cependant, j'aurais dû peut-être aller d'abord descendre pour vérifier un ou deux trucs. Je ne suis pas sûr que traverser par ici soit d'abord le bon chemin en fait. Je vais juste aller vérifier en bas d'abord. Ça m'inspire plus. Il y a peut-être un truc caché, un petit document, quelque chose. Serait-ce des projets d'armement, de quoi fabriquer des mecs violents comme ça et dégueulasses? Je sais pas, peut-être. C'est pour le Führer! Ouh là, je suis bloqué par une chaise, c'est magnifique. Je suis inspiré. Alors là, il y a pas mal de trucs, regardez, il y a des trucs partout ici, on peut pas aller. Sans doute fermé, voilà, il faut faire tout le tour. Je veux quand même aller vérifier d'abord par en bas. Hein. Il y a peut-être quelque chose de légèrement caché. Ici, c'est fermé aussi, je pense. Je vais aller faire un tour là, je suis sûr qu'il n'y a rien, mais c'est juste pour vérifier. Ouais, d'accord, ok, comme d'hab. Je me fais troll à chaque fois. Pas des cons, des tours de cons, voilà. Ils ont une... Putain, c'est en 38 et... Enfin, c'était en 38 et maintenant ils ont des superbes télés à l'intérieur. Maintenant qu'on est en Jimmy Trez. Cet asile a quand même bien évolué, hein. Sur une mort. Ça sent le 16-0, même le 17-0, de quoi vous parlez? Je suis pas mort 17 fois déjà. Vous avez compté les morts déjà? Vous êtes sérieux? Vous êtes des grands psychopathes, mes amis. Des grands psychopathes.
Salut mec. Ah, oh, il est trop moche. Il est trop moche. Ce que je déteste le plus, ceux-là, les mecs. Avec la bouche, avec les dents cousues sur la bouche, là, genre, trop gore. Ça sent le rétablissement d'électricité, récupérer la clé dans la salle de détente. Salle de détente qui devait être un peu plus loin, hein, vu que j'étais en train de m'y rendre. Ça pue la merde, ce truc. On va recharger la batterie. En tout cas, est-ce que cette épopée Halloween vous plaît? Est-ce que vous prenez votre pied? Est-ce que ça vous fait plaisir? Parce que moi, je ne suis pas du tout en train de m'amuser, là. Non, je déconne, je m'amuse bien, vous inquiétez pas. Mais bon, vous comprenez que l'amusement est relatif. La beauté vient de l'extérieur, de l'intérieur, pas de l'extérieur, musique. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Pas dormir grâce à toi, mais j'aime. What? Ah, derrière la lumière, n'oublions pas, derrière la lumière. Alors dites-moi qu'il y a une petite pile qui traîne dans un coin sur une table, ce serait pas mal. Ah, il nous passe un film... Un téléphone qui ne fonctionne point. Une salle qui a l'air pas très cool. J'aime pas du tout. Ah, attendez, là on peut pas grimper là derrière. Aucun moyen de monter, il faut faire tout le tour. Ok, d'accord, soit. Soit. De toute façon, il faut suivre le sang comme d'habitude. J'aurais peut-être me laisser une porte de... Ouais, une porte ouverte. Mais oui, allez, bien sûr. What? Il était pas dans ce casier, le mec? Ça me ramène à tout à l'entrée du truc. Attendez, il y a moyen de passer par là aussi. Ah, un document, tiens. Du doc de D. Brunton à Willard, bactérie mangeuse de chair. Pense à te laver les mains. Le 1971, Grant a écrit facite nécrosante. C'est vrai? Putain, je démissionne. D'accord, il y a une bactérie qui bouffe la peau, ça a l'air dégueulasse. Alors genre, je sens que je vais me faire poursuivre au moment où je vais trouver cet objet, évidemment. Sinon ce serait pas drôle. Il faut que je passe par en dessous. Attendez, juste un instant, j'ai un petit souci. Il y a mon Steam qui s'est remis par-dessus le chat. Si tu ne meurs pas, je t'appelle Music Boss. Eh bien écoute, on verra bien. Je sais pas trop ce qui va se passer perso, donc ça va peut-être pas être facile, mais... On va tenter. Deux fois que je peux pas ouvrir la porte. Il m'a effrayé cet enculé. Et je fais quoi maintenant? Je reviens en arrière, c'est tout? Je vais ouvrir la porte, hein. C'est mort. Ah, il y a une porte qui est ouverte de l'autre côté, par contre. Je passe de nouveau le tour. D'accord, il faut que je fasse le tour, ok. Soit. On va recharger la batterie.
Ok, d'accord, je comprends mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me poursuivre par hasard? Où je saute comme un gros bourrin. Il semblerait que oui. Putain, le mec il est fort quand même avec sa caméra. La porte a été ouverte du coup. Par la même occasion. D'accord, ok. Je peux récupérer la clé et après. Un peu Inch'Allah. Hein. Faut que j'en fasse tout le tour. Il y a des casiers pour se cacher, mais je suis pas sûr que ça aide beaucoup. Je le sens pas par contre là maintenant. Je le sens vraiment pas là par contre. Espérons qu'on peut passer par là cette fois. Ah, toujours pas. Hein. On va devoir faire tout le tour. J'ai entendu du bruit, ça a pété une porte. J'en étais sûr. Le gros est là. Le gros nous attend, les mecs. Le gros nous attend. N'oubliez pas de prendre vos pampers là juste au-dessus. Baisse dans le tiroir. On va tourner un film porno dans la salle de ciné, les mecs. Il disait qu'il y avait de la violence sexuelle, mais pour l'instant, j'en ai pas vu. Bon, il veut pas ouvrir la porte plus que ça. Ok, d'accord, il y a un mec avec son couteau de merde. Yes, les mecs, yes. Moi, je dis GG, hein. Je dis GG. On l'a joué bien comme il faut, là. Tiens, il m'attend de l'autre côté, lui. Salut, man. Est-ce que tu vas venir me poursuivre maintenant ou non ? Non, je pense que ça t'intéresse pas. Hein. Je pense que tu t'en branles. Hein. Salut, man. Tu veux pas laisser la porte ouverte? Non, c'est pas cool. Bon, tant pis. Ça va être aussi fermé. Même pas, tiens. Ah, une cuisine encore. Si on allait se faire un peu à manger, tiens. Mec à l'autre bout. Soit. Rien de spécial dans cette cuisine, hein, mis à part la salle qu'il y a juste après. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une musique de fifou. Alors vous remarquez qu'ils sont en uniforme de soldats, on dirait un peu des soldats... des vieux soldats allemands ou quoi, mais pourtant ils seraient pas aussi jeunes que ça. Alors je sais pas du tout à quoi ça, tout ça ça a servi, parce que je n'ai trouvé absolument rien. C'est peut-être une pile dans le coin. Si, une pile, ok, c'est bon, je n'ai rien dit. On a vraiment trouvé une pile. Qui en soi déjà n'est pas si mal. Hein. Alors c'est fermé, évidemment. Ne pouvait en être autrement. Ah, bah je crois qu'on va devoir prendre l'ascenseur. Ah, il faut une clé. Bah oui. Bien sûr. Bien sûr.
Il y a une musique de fou. Il y a une musique de fou. Ça pue le run. Non, pas encore, je pense pas. Par contre, là... je sais pas du tout où il faut que j'aille, du coup. Alors là, mes petits amis, je suis un petit peu... dans la merde. Équipe-toi d'un ascenseur, ça ne veut rien dire. Honnêtement, là, juste, j'aimerais bien savoir où est-ce que je dois aller. Aucun endroit où je peux aller, là. Pas moyen d'ouvrir ces trucs? Traverser? La musique est tellement hardcore, ici. Ah, peut-être de ce côté-là, ouais. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait une porte de ce côté. J'avais cru voir un truc au fond. Ce n'était qu'une... impression. Y'a rien par là. Y'a un trou dans le mur. Y'a un mec derrière. Je vais d'abord aller voir dans cette pièce. Ça a l'air sympa comme endroit. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour monsieur. Petite note encore. Hier parasite. Encore ces parasites. Un patient agenouillé en train de prier. Peut-être qu'il croit aux conneries de Père Martin. Peut-être qu'il entend les mêmes trucs que moi, mais plus clairement. Peut-être que c'est sa méthode pour ne plus être ici. Le prêtre a appelé ça l'évangile du sable. Oh là là, cette ambiance de folie, quoi, ce jeu, il est trop abusé. Ah, ils ont quand même fait du bon boulot, hein, malgré tout. Le gameplay aurait pu être un petit peu plus... un peu moins redondant, on va dire, dans le sens où... c'est un peu toujours le même truc, trouver deux objets, faites-vous courser, et puis voilà. Retrouver de nouveau deux objets, puis refaites-vous courser. Et mis à part ça, c'est plutôt cool. Je sens que ces toilettes vont m'être utiles à un moment donné. Demandez pas pourquoi. On va laisser juste une porte de chiottes ouverte au cas où. Celle du milieu, voilà. Pour pouvoir s'enfuir le cas échéant. Il y a des chambres de fifou ici. En train de prier devant leur lit. C'est vraiment glauque, hein. C'est vraiment putain de glauque. Il y a des chambres dans tous les coins. Cette ambiance de folie. D'accord, ok, merci le jeu. Merci de m'avoir fait aussi peur. Ah, on peut sortir par là, tiens. Est-ce que ça vaut le coup de sortir par là? On va bien voir. Je pense que ça vaut le coup. Je pense que c'est fait pour. Mais je vais quand même vérifier les autres pièces. Il va sans doute y avoir des trucs cachés, forcément. Un dossier, voilà, comme je le pensais bien. L'évangile de Judas. Je suis un supplicateur indigne qui ne peut servir notre Seigneur qu'en le nourrissant. Je vous en prie, prenez-moi, Wallrider. Que mon apôtre du berger y assiste et que le propage par ses...
et le propage par ses mensonges au service de la vérité supérieure. Votre temps en ce monde est venu, ma chère réclame. Votre magnifique spectre, mon sang est rempli de vous et attend d'être libéré. Telle est ma prière. Écrivez votre évangile dans ma chair. Vous aimez bien cette voix? Vous aimez bien? Moi j'aime bien. Fuck, une pile! Ouais! Alléluia, Jesus Christ! Le dieu de la pile. En fait, nous allons prier le dieu de la pile. Alors, il me faut la pièce avec l'ouverture, voilà. On va recharger direct notre caméscope. On va pas faire nos poussies. Ok. J'ai l'impression que je dois passer par là. Attends, alors là, il a l'air d'être immense l'endroit, regardez-moi ça. La taille du truc. Il y a une grande croix en face. Mais Curtis, t'es même pas resté tout du long, quoi. Franchement, Curtis, tu crains, mec. Tu loupes tellement de choses, mon gars. La caméra est broken. Je l'ai perdue à un moment donné. Elle est tombée à l'étage et j'ai dû faire passer tout un passage sans ma caméra. Dieu déteste la maladie. C'est marqué. Tiens, je viens de faire tout le tour pour revenir ici.